Bonjour les amis. Eh ben voilà, vous connaissez enfin ce que c'est d'être confiné. Et ben moi ça fait 3 ans que je vis ça, donc ça ne me change pas grand chose. Mes sorties depuis 3 ans à peu près sont 3 promenades, 4 promenades du chien. Et mes courses une fois par semaine. Donc ça ne change pas grand chose pour moi. Toujours au même endroit. J'ai pas de jardin bien sûr. Et je peux vous donner des petits conseils, si vous voulez. Si vous avez des questions sur comment ça se passe mentalement, parce que pour pas devenir alcoolo, ni drogué, ni dépressif. Bah en fait, c'est assez facile. Faut s'en foutre en fait. Faut se dire que ça va passer et que peut-être il y aura une belle issue à tout ça. Et c'est tout, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Donc bien sûr, vous allez voir que c'est bien plus fatigant. Que au bout de quelques jours, là ça commence à faire une petite semaine, moi ça fait 3 ans donc imaginez un petit peu, mais il faut s'organiser, ce qu'on fait, se mettre des objectifs, dire demain je fais ça, le faire, là justement tout à l'heure je vais rentrer, donc parce que j'ai fait cette vidéo, on est vendredi je crois aujourd'hui, peut-être le 20, voilà, bah, vous allez perdre aussi une notion, hein, c'est normal. Moi j'ai mes troubles qui ne m'arrangent pas, mais j'ai vite perdu notion du samedi, du vendredi, mais bon c'est pareil, on s'y habitue aussi. Et bah, donc j'ai programmé le lavage des murs, demain nettoyage des étagères, et en plus, moi j'ai cette chance que vous n'avez pas, je ne serai pas dérangé pour gagner 20 centimes, ou enfin pour 1,20€, pendant une demi-heure et qu'on vous dise que vous êtes un feignant et qu'il faut ouvrir plus et machin. Donc vous avez déjà cette chance parce que c'est une obligation. Moi c'est pas une obligation, j'imaginais pas. Il y a autre chose, pensez-y, pensez à votre éclairage, faites rentrer la lumière chez vous car bah, le soleil, vous voyez, ça fait du bien. Donc pensez à sortir surtout quand il fait beau et peu, mais ouvrir vos fenêtres. Oh, j'ai une nez qui brille. Et puis voilà, et puis bon, bah écoutez, je vous souhaite un très bon courage. Puis voilà, si vous avez besoin de ouais, renseignements, comment ne pas s'ennuyer, comment se ressourcer un petit peu, en restant au même endroit, bien sûr. Bon, ben voilà. Alors merci, à bientôt, bon courage. Peut-être je poserai des vidéos, j'ai envie d'en faire une sur la marche en avant. Ça peut bien aider à cette période. Demain, je reçois un colis de liquide de cigarette et je ne veux pas être contaminé. Donc je vous montrerai comment je vais l'ouvrir et la façon à faire, comme on fait dans la restauration. Si j'ai rien inventé du tout, c'est dans la restauration, ça s'appelle la marche en avant. C'est connu par beaucoup. Donc voilà, donc je pense demain le faire, si j'ai reçu mon colis, bien sûr, que le facteur y passe. Voilà, merci et bon week-end enfin. Week-end. Ciao.